ne présente plus la Dunlop Crybaby 95, la pédale wah-wah la plus vendue au monde. Eh bien, voici sa formule la plus réduite, la Crybaby Mini Wah. Pour que chacun puisse la personnaliser, Dunlop a muni la Mini d'un sélecteur 3 positions qui décale le champ des fréquences qui est affecté par la wah du plus aigu au plus grave. Donc on a une position au milieu qui représente plus ou moins la wah 95 classique. Et puis on peut soit décaler tout le champ de fréquence affecté vers le haut, soit vers le bas. Donc à chaque fois, je vais vous montrer ce champ des fréquences qui sont affectées et puis faire quelques exemples musicaux derrière. Et on commence par la position intermédiaire. Le sélecteur basculé sur la gauche, on a quelque chose de plus grave et qui, fatalement, sonnera un peu plus vintage, si on peut dire. L'interrupteur basculé vers la droite, on a quelque chose qui va partir plus haut et qui va terminer vraiment dans des aigus beaucoup plus haut que l'exemple précédent, donc avec un rendu un peu plus moderne. Chacun cherche à gagner de la place sur son pedalboard, cette mini wah qui a tout d'une grande saura sûrement vous séduire. Et sur ce, je vous salue bien.